La météo de ce week-end était parfaite pour se jeter à l'eau, mais ces 400 pagayeurs n'étaient pas là pour faire trempette. Le 46e sélectif régional de canoë-kayak palois n'a de régional que le nom. C'est le niveau par lequel on démarre la compétition en slalom. Donc ce week-end, certains gamins ont fait leur première compétition de leur vie. Et ils sont confrontés à des internationaux qui participent aussi à la même épreuve. Jeunes et vétérans, internationaux et débutants, cette compétition accueille tous les pagayeurs avides d'eau tumultueuse. Pour les cadets et juniors, c'est l'occasion rêvée de se frotter au plus grand. C'est une compétition qui est tout quand même importante. Ça me permet de me préparer pour les championnats du monde senior qui seront ici la saison prochaine. Et ça me permet aussi de me confronter aux meilleurs pagayeurs français. Alix d'Aigremont, 16 ans, navigue vers une sélection en équipe de France. Cette jeune paloise est là pour faire des vagues et impressionner ses aînés. Ça donne envie de performer et ça nous motive encore plus pour la suite. Sur la berge, les kayakistes confirmés sont attentifs. La relève est là, sous leurs yeux. Il y a des jeunes parfois qui viennent nous chatouiller, quoi. Donc c'est vrai que ça crée une dynamique, c'est très bon aussi pour les jeunes et puis pour nous, quoi. Ça nous oblige à toujours aller un peu plus vite, quoi. Avec son circuit qui fait l'unanimité chez les pagayeurs de tout niveau, le stade d'eau vive de Pau accueillera les championnats du monde de slalom l'an prochain.